Salut à tous, c'est Chantou. On se retrouve pour un petit tutoriel construction. Aujourd'hui, on va essayer de construire une maison de, on va dire, débutant. C'est-à-dire, on commence un serveur, on commence un nouveau monde. On a très peu de matériaux et on voudrait faire quelque chose de sympa. On va voir comment on fait aujourd'hui. Alors, je me suis donné comme matériaux de la cobble et tout ce qui va avec, et du bois. Matériaux de base. Et on va construire les fondations tout de suite. Hop. 3, 4, 5, 6... et 7. 7 par 5. Voilà. Hop. Hop, ce bloc là, celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici. J'ai eu l'idée de faire ce petit tutoriel parce que j'ai vu pas mal de serveurs où les habitations de base étaient assez pourries. Dans le sens où c'est pas beau. Donc je vous montre un peu comment on fait un petit truc sympa. Avec très peu de ressources. Et pourtant, j'espère que ça va bien rendre. Alors là, hop. Hop, hop. Et hop. Avec une petite vitre. Basique, hein. On va faire une vitre ici. Et ensuite, on va mettre un escalier comme ça ici et un escalier comme ça ici et à côté deux blocs. Oui, pas top hein. Attendez, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Pour l'instant on fait les murs. Hop, hop, deux petits volets, une vitre. Des petits détails, mais ça joue beaucoup. Ici comme ça, ici comme ça. Pour donner un peu de relief à la façade. Donc 1, 2, 3. Au-dessus de la porte, pareil. On va mettre un escalier pour donner un peu de relief. Et il nous manque celle-ci. Alors 1, 2, 3. Hop, hop. Et ce bloc. Et on recommence notre histoire. Fenêtre. Hop, hop. J'aurais pu le faire en direct. Je perds mon temps. Hop. Et voilà. La base. Maintenant, on va monter un peu le toit. Là, une glace. Et ici, ceci. Tout ça pour donner un peu de relief à la façade, toujours. Qu'on n'ait pas toujours la même chose. Ici, ça, ça. Notre glace. Et ceci. Notre vitrage, dirons-nous. Ensuite, ensuite, ensuite. Hop. Excusez, j'ai bugué. Ça arrive. Donc là, on va faire ça. Encore un comme ça, hop, hop. Et hop, tac, tac. Et entre les deux, une poutre. Notre maison, elle repose sur nos poutres en ce moment. Hop, 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 hop. Ça lui donne un petit jeu de texture et puis surtout ça lui donne une impression d'être réaliste. Vous savez, les maisons ne reposent pas sur du vide, mais bien sur des poutres au niveau du toit. Hop. Et hop. Toi va-t'en. Et là, vous voyez, elle commence déjà à avoir de la tête. Et alors au niveau de chaque poutre, maintenant on va faire des escaliers en cobble. Pourquoi? Parce qu'on le peut. Parce que ça donne un petit air solide à la maison. Vous allez voir au résultat final. Hop. Et au-dessus, voilà. Ici, on casse. Sur 3. Je pense que ça sera bon. On va faire ça. On va faire ça. La poutre. Nos premiers escaliers. Hop. Ici. Eh. On fait ça. Ici, on fait ça. Hop. Et hop. Hop. Ici, on remet nos bouts de toit que j'ai supprimés pour rien. Et hop. En haut, notre escalier et une slab de bois. Hop. Et ici, pour changer.
On va faire ça. Donc vous voyez, on a notre petite fenêtre de ce côté. Ça va donner un peu de luminosité à l'intérieur, mais surtout ça va lui donner un meilleur aspect extérieur. Et ça, c'est important. On fait la même de l'autre côté, mais sans la fenêtre. Hop, reviens-toi. Oh. Voilà ce qui arrive quand on veut aller trop vite, hein. On met des blocs à l'envers. Elle n'est pas super compliquée cette maison à faire, mais voilà, avec les escaliers, moi je m'en sors jamais. On peut la faire tranquillement en survival. Alors pour le bout de toit, on va faire ça. Et on va faire ça. Et la même de l'autre côté. Un escalier, puis un autre à l'envers. Ensuite, un comme ça, un comme ça. Hop, un escalier. Un autre ici. Et comme ceci. Vous voyez, c'est pas mal. On a des toits qui commencent à avoir un peu de tête. De ce côté-là. Mais de ce côté-là, ça commence déjà mieux. Ensuite, comme on veut lui donner un peu d'épaisseur, hop, hop. Et ici, comme ça. On va lui donner une assise, comme ça. L'impression qu'elle repose sur du solide. Hop, on pose le toit, la partie en stone sur nos poutres. Hop, et hop. Mouais, ça commence à être sympa. Ensuite, on va faire un petit truc. 2, 3, 4, 5. Là, on pose les blocs. Et hop. Ensuite, on casse ce qu'il y a devant qui sert à rien. Et on prend notre bois. 2, 1, et voilà. Et ça va même faire plus rapide. Hop. Hop. Et hop. Il commence à faire sombre. Ça tombe bien. On va y mettre un peu d'éclairage. Pour ça, vous prenez des torches. Une slab de pierre. Et il va nous falloir une item frame. Vous posez item frame, la slab de stone. Et vous visez le bloc et pas la frame pour poser la torche. Hop, hop, non, 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 non. Oui, j'ai fait l'erreur. Ensuite, on fait la même derrière. On va lui donner de l'éclairage, histoire qu'on y voie. Fumble, fumble, fumble. Ici, j'avais oublié, il nous faut une vitre. Alors pour saisir le bloc, hein, clic droit. Et vous le saisissez, vous le posez. Et vous êtes tranquille. Alors, là, ça ne va pas. C'est ici que je la veux. Voilà. Ensuite, on va y mettre un petit escalier. Hop. Oh. Et la même de l'autre côté. Hop. Et hop. Pour avoir de la luminosité. Ensuite, devant. Devant, on va faire ceci. Voilà, on va pas aller jusqu'ici. Et ensuite, on va prendre des fences. Et on va faire fence, fence, fence. Et là, slab. Hop. Une rangée de trop, on supprime. Fence, fence, fence. Hop. 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 Et hop. Ici, on va poser la petite assise. Voilà. Et ça commence à être pas mal. Alors ici, on va changer ça par ça. On va mettre une porte. Et on va faire l'intérieur.
Hop, hop, hop. Et voilà, à l'intérieur, vous prenez... Ouh, pas bien. Hop, hop. Vous prenez votre bois, vous faites un comme ça, un à l'envers. Hop. Hop. Et hop. Ensuite, il va nous falloir des slabs que j'ai supprimés. Donc, hop. Et hop. Et là, on va faire slab, 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 slab. Un coffre. Non, d'abord deux blocs. Un lit. On casse les blocs. Et on met un coffre. Pourquoi? Parce toujours pareil, parce qu'on le peut. Et ici, on va continuer avec notre bois. Hop. Et hop. Donc on a notre coin lit. On peut accéder au coffre tranquillement. Et on a ça. On va mettre ci, ceci avec. Hop. Et hop, cette fois à l'intérieur, c'est dans du bois. Ensuite, on va mettre ceci avec un coffre et deux fours. Et oui, j'essaye de faire une maison qu'on peut refaire tranquillement en survival. Non, hop, hop, deux fours en haut. Ici, on va faire le coin repas. Il va nous falloir une crafting table, défense, une plaque de pression, en bois si possible, et comme ça, ouh, j'ai un petit lag. Et donc maintenant, on va se faire notre coin table, hop, une table, une fan gate, une pressure plate. Et ici aussi, est-ce qu'on peut la poser sur au-dessus? Voilà, parfait. On a notre coin lit, ceci, ceci, une petite table là, et on peut même mettre une bibliothèque plus tard quand vous augmenterez dans le jeu. Mais voilà, on fait un petit coin bibliothèque. Trop. Et on met une autre slab ici. Hop. De suite, ça a de la gueule. Voyons maintenant ce qu'on a fait dans ce tutoriel. On a fait notre petite maison. Voilà. 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 Et on a fait son intérieur. En sécurité, vite fait, bien fait, et faisable très facilement en survival. Sur ce, je vous dis peace, à la prochaine vidéo.